pour des raisons de confidentialité évidentes et du fait que ça ne concerne pas aujourd'hui votre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Pour être très précis, je les ai eus de la part de la DAPJ dans la transition mandataire de la SFIA, bien évidemment sous la responsabilité du conseil de la FIFA, sans mentionner le contrôle orienté du SCR7. Et concernant le passeport, c'est une excellente question. Le passeport, c'est un papier qui contient des informations permettant l'identification de la personne, nom, prénom, taille, âge, lieu de naissance et date de naissance, mais aussi la signature du titulaire. Mais si on veut être plus précis, c'est aussi ce cahier d'exercice ludique qui permet un travail préparatoire pour passer en CM2 que j'ai complété cet été et je pourrai vous en fournir les preuves, bien évidemment.